On a un petit tour, ça va. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon premier cours de paddle. Enfin, si on peut appeler ça un cours, hein, en fait, puisque je pense qu'on va juste me larguer en pleine mer. Alors, faut pas faire attention du tout à ce décor magnifique qui est donc ma petite voiture Henriette, puisque je vis dedans, hein, puisque comme vous savez, je suis actuellement au Canada. Je vous montre tout ça en image. J'ai vraiment hâte. J'ai toujours adoré le paddle. Donc, première fois que je fais du paddle, et ça se passe au Canada. Alors, on vient tout juste d'enfiler nos gilets de sauvetage, on a récupéré nos paddles qui sont juste ici, et maintenant on va essayer juste de comprendre comment ça fonctionne. Hello, hello! Alors, juste avant de vous montrer mon magnifique jeu de paddle, juste après, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous montrer un petit peu la technique pour faire du paddle. Alors, tout d'abord, la dame nous avait bien précisé qu'il fallait bien nettoyer la planche, parce que parfois ça pouvait glisser ou il pouvait y avoir des résidus, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Par la suite, elle nous a dit commencez par vous mettre à genoux, plus ou moins vers le milieu de la planche. Vous pouvez d'abord commencer à pagayer comme ça si vous vous sentez pas trop en équilibre. Ou alors vous pouvez directement essayer de grimper dessus, vous stabiliser un peu, et puis démarrer. En soi, le plus important, c'est simplement de rester sur la planche. Donc si vous avez un bon équilibre, ça va. Si pas, vous êtes un peu comme moi. Une fois que vous êtes lancé, en fait, la chose la plus importante à bien faire, c'est le placement de vos mains. Il faut tout simplement que sur votre pagaie, vous mettiez votre main, peu importe que ce soit à gauche ou à droite, bien en haut. Ça va vous aider à vraiment mettre une plus forte pression sur votre pagaie et avancer beaucoup plus vite. Une fois que vous avez votre équilibre, le bon placement des mains, ah bah alors là vous pouvez partir jusque l'infini et l'au-delà. Allez debout. Deux canards à la mer. Voici mon petit canard à moi. Voyons voir comment elle s'en sort. Là. Et voilà. Super. Le paddle, c'était vraiment trop bien. Moi, j'en avais jamais fait de toute ma vie. Honnêtement, c'est pas super compliqué. C'est compliqué, mais si on arrive à jouer en fait sur ses jambes, sur ses genoux et à garder un minimum d'équilibre, il y a franchement moyen. Maintenant, c'était compliqué. Bon, après, on s'est amusé, hein, on est resté 2 heures, je crois, avec le paddle. C'était vachement bien en plus parce que c'était le matin, il y avait personne, on était tranquille, donc ça, alléluia. Franchement, le meilleur truc c'est de pas hésiter, c'est de foncer, essayer dans l'eau qui est la moins profonde dès le début, comme ça au moins si on tombe, on est tranquille. C'est vraiment un sport que je recommande à tout le monde. Par contre, ça vous fait les bras, hein. Moi qui voulais faire mes bras, c'était
idéal. Après, on peut chiller tranquillement sur son paddle et ça, c'est vraiment top. Nous, on l'a fait à Cal Beach, dans le BC. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez. Moi, je vais encore profiter un petit peu de la plage. Et on vous fait la bise et à très bientôt.